Allez, salut à tous, c'est Arkenke, bienvenue sur Bayonetta. Donc j'ai recommencé un peu mon épisode parce que en fait je me suis paumé dans le jeu. Et il faut avouer que ce jeu n'est pas très gentil. Voilà. En voyage rapide. Donc on s'était arrêté ici. Donc ouais, moi il faut savoir que j'ai arrêté le jeu depuis. Donc en fait voilà, ça m'a. La dernière fois on avait comment ça s'appelle? On s'était mis au... Merde, il y a un passage là, ouais. On s'était arrêté ici et après on s'était mis au point de téléport. On peut sauvegarder le plus proche. Sauf que c'était Ashai, donc... Évidemment, faut faire le tour. Ah non, même peut-être pas, non. Donc ouais, on va visiter cette zone qui est incroyablement belle. Moi ça marque, faut que je visite cette zone donc. Ah ok. C'était sûr qu'il avait pas beaucoup de vie, lui. Alors on grimpe pour l'instant, ça va. Il est à l'aise, lui. J'allais dire, il y a des traces au sol. Le loup est passé par là. Chouroc, Ok. Après. Ah, chouchou bois. Ouais, je vois pas trop la différence, mais bon. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe, non? Ouais, large. C'est un boss. Même pas. Non mais ce qui... Je m'éloigne trop là, non? Je suis où là? C'est ça? Je me suis cassé?
problème, c'est que si je saute là, je peux pas remonter. Vas-y, j'en ai plein le cul. Non, moi je vais retourner là-bas. Merci. Alors... Ah, c'est un peu de l'arnaque là de refaire descendre. Ça c'est avec chouchou bois, non? En porte 3, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ah! J'ai même pas vu. Bah oui, là, de toute façon, on est en train de grimper sur l'arbre, en fait. Donc l'autre passage, il sera bien pour après, je pense, parce qu'il y a le lac de l'autre côté. Ah, je pense qu'on va sauter de l'arbre. C'est le lore sur ça. Ah, du coup, j'ai pas lu le lore. C'est l'inverse. Les autres qui te chopent par-dessous, elles te chopent par-dessus, quoi. Courons un peu plus vite. Marude kaibutsu ga kuchi o akete iru ka no youna sugata no. 大きな倒木。このアボロンの森にいると何もかもが自分に襲いかかってくるような気がしてきます。じゃあ、また、あ、フェアリーの。ファイン、コマンスアペル、ド。高いところ苦手なの。 Ah, une miniature, je voulais dire, voilà. Waouh, mais regardez comment c'est beau. J'avais le temps de passer ou pas? Je pense que j'avais le temps de passer. Merde. Ok. C'est mort et rien. Oh, c'est lent. Ok. Alors, broyage, petite sauvegarde.
Ah, ils ont bien mis ça pour pas que... Bah, de toute façon, ouais, oui. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il va faire là? Ouais, et là? Merde! Regardez pas le bon perso. Ok. Ah. Ah, t'as un jeu connerie, je t'ai baisé. Hein. Encore de boutons, hein, j'y arrive pas. Hein. C'est lui. J'avance un perso par un perso. Hein. Oh, ça a passé large. Il y a quand même un fight pour finir.
Une arme contendante, bien sûr. Zerg. Zergre. C'est pas le même. Zergre. Reviens dans ta Pokéball! Oh! Il a failli m'attaquer avec une arme contendante. Dommage que de loin ils mettent ces petits yeux blancs comme ça. On va préférer les voir. Ils sont incroyables ces yeux. Pourquoi ils ont mis les yeux. Les yeux de l'intello de base dans les mangas là, qui se la pètent. Le jeu est quand même généreux en vie. En fait, ils les mettent bien sur le chemin quoi. Désolé, j'y arrive pas, hein. Je crois que ils ont pas. Et ça, c'est un jeu qui est sorti en fait beaucoup trop tard. Quoi? Ah, mais je me. D'accord, j'avais plus de magie. C'est ma manette, elle doit commencer à avoir du. Elle doit commencer à pas aimer, je pense. Elle tombe toute seule déjà de base. Donc. Ah d'accord, on a tout libéré ici. Continue par là. Il me semble que du coup on peut passer par là. Ah non, pas du tout, c'est quoi qu'il arrive, c'est toujours de la merde. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre là. D'accord. Ça pourrait pas me donner du loot, enfin du pognon.
On peut sûrement s'améliorer du coup. Ouais. C'est souvent que je le ramasse, chouchou. Donc, let's go. Oui, c'est vrai qu'on peut contrer les attaques ennemies, mais comme d'hab, la riposte, tout ça. Qui c'est qui s'en sert vraiment dans les jeux? Alors que bourré, ça passe. Attends, on est d'accord que là. Région du Sud, région du Nord, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une grosse bébête là! Pour te cacher, c'est probablement Jabberwock, un dragon féerique, extrêmement puissant. Bien simple, pour lui, tout ce qui bouge se mange. S'il t'attrape, il t'avalera comme un vulgaire amuse-gueule. On dit qu'avant il était enfermé dans une cage, mais apparemment il a réussi à s'échapper depuis il sème la zizanie. Même les fées ne peuvent le contrôler, et en plus cette albête a des ailes et peut voler. Alors pas facile de lui échapper en se cachant. Par exemple, se cacher derrière quelque chose sera totalement inutile. Trouver un endroit qui ne soit pas repérable depuis le ciel. Les wisps ont des trucs qui dépassent de leur tête. Doivent faire particulièrement attention, pardon. Ils aiment bien traîner du côté des méandres aisés. Non, il aime bien traîner, ouais, alors je te conseille d'éviter ce lieu. Ouais, trop tard. Voilà, on peut passer par là. C'est pas très évident, là. Choupter! Brouah! Falcon Punch! Un truc où on voit les techniques là, non? Je comprends pas que j'ai pas eu la. Voilà, faut invoquer Chouchou Bois. Hein. Ah oui, d'accord. Quand tu vois déjà des coups de griffe qu'il faut apparaître des trucs comme ça, un peu de l'enfer absolu.
Jabberwock. Dragon féerique. Vorace. Oui, pardon. Le fou va se blesser là. Bon, ça devait être scénarisé, on pouvait rien faire. ところし怪物の鉄のように硬い体。知者の爪が砕けてしまいそうです。怪物がセレッサに狙いを定めました。立ち向かわなきゃ。そう思うのに足がすくんで動けません。 怪物はまだセレッサたちを探しています。チェシャは獣の姿になろうともがきます。ところが体が言うことを聞きません。お前のせいだ、弱虫め。 チェシャはセレッサを怒鳴りますが、怖くてたまらないセレッサはチェシャを抱きしめてとうとう逃げ出してしまいました。二人は安全な場所までやってきましたが、チェシャはセレッサに怒り心頭です。 口を固く結び、立ち尽くすセレッサ。怖くて逃げ出してしまった自分が情けなくてたまりませんでした。あの化け物、チェシャでも全然歯が立たなかった。私はどうすれば。消え入りそうな声でつぶやくセレッサに、 チェシャは黙ってしまいました。そして自慢の爪でもあの怪物に傷一つつけられなかったことを思い出して、自分も悔しくなりました。とにかく俺の邪魔はするな。チェシャはそういうのが精一杯でした。 セレッサの頭の中は悔しさでいっぱいで、チェシャの声は聞こえませんでした。あ、チャプター6、エテパロン。次のエレメントコアを探すんだろう。さっさと行け。チェシャが セレッサを責めるように唸ります。でもセレッサには言い返す元気もありませんでした。
Et bon. Pour utiliser chouchou, on peut courir. Il fait exprès de nous prendre de près, je pense. Y'a rien. Hein. J'aurais dû faire qu'un passage. Hein. Ah oui. Je peux rien y faire. J'imagine qu'après il y aura un pouvoir pour lui niquer sa défense. J'avoue que le petit dégât de zone là qui t'arrive toute ta vie là, le plaisir. Chouchou Pierre. Bah oui, on a vidé le lac. Toujours, reviens. Tête dure. D'accord. Donc ça en a encore un qui pense qu'à lui. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autre chose. Bassin du géant. Ok. Ah. Bravo chouchou, reviens dans sa Pokéball. Chouchou. Hein.
Je me fais attaquer par des Dark Link. Oh là là, si on pouvait avoir un Rodin et un Lucas là, de... avec cette DA là. Oh mon héros. C'est comme il parle Rodin là, avec sa grosse voix. Projection obscure. Reposons-nous. Oh, j'ai augmenté son attaque. Miam miam. Chouchou. Transforme-toi en chouchou. Chouchou bois, voilà. Voilà, on fait un dégât de zone. Ouh, ça sent le nouvel ennemi ça. Gandalf. Oh non.
Et tout paraît tranquille quand on n'affronte plus. Ah cool, je vais gagner un pétale de plus. Ouais, une fleur de plus du coup. Alors on va juste finir cette zone là. Et dans le prochain épisode on continuera. Cascade de la bouivre, ok. Ah, mais il y a un sanctuaire là. On va s'arrêter là. Hein. Ah bah, ouais, ouais, très très bien. Je sais pas si j'ai vraiment quelque chose à apprendre. En tout cas, nous allons continuer le, voilà, le nid de la bouivre, ouais. Okay. Parce que c'est une bouivre, c'est quoi. On verra bien. En tout cas, bah, je vous laisse ici. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'on pourra affronter ce dragon quand même. Au bout d'un moment, je pense que oui. J'ai pas l'intérêt de mettre un mob pareil et de pas nous l'imposer en combat d'air. Mais bon. En tout cas, dans le prochain épisode, bah ouais, on va attaquer cette nouvelle zone. Ça a l'air cool, ça a l'air joli. Il faut aller où? Ok, il va falloir sauter par là et passer par là. Voilà. Ok, voilà, je vous laisse un peu la vue sur ce bise et à la prochaine pour la suite de l'aventure.